Déjà, tu vois un enfant, 25 ans, il commence une entreprise parce qu'il sait c'est quoi l'argent. Car si vous ne savez pas, les écoles ne forment pas pour l'argent. Car si vous ne savez pas, les écoles ne forment pas pour l'argent. Car si vous ne savez pas, les écoles ne forment pas pour l'argent. Les hommes intelligents qui gouvernent le monde ont établi un système éducatif pour que ça engendre que des pauvres afin que leurs enfants demeurent riches. Si vous ne savez pas, c'est ainsi qu'on nous apprend des choses dont on ne fera rien. J'espère que vous allez bien et tout. Voilà, aujourd'hui les gars, je vous parle en fait du fait que l'arrêt de pile là, c'est pas seulement que les femmes en fait. Voilà, c'est pas seulement que les femmes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'arrêt de pile là, les femmes c'est 10% seulement. Quand on dit red pill, pour ceux qui ont regardé le film La Matrix, là, il y a deux choses. Il y a la pilule bleue et la pilule rouge. La pilule bleue, hein, si tu prends la pilule bleue, tu restes dans le monde de l'ignorance. Les gens vont continuer à jouer avec toi. Tu n'as pas à savoir pourquoi les gens font ci, pourquoi les gens font ça, pourquoi telle chose fonctionne de cette manière en fait. Et quand tu prends la pilule rouge maintenant, tu commences à voir pourquoi ça là, c'est comme ça. Pourquoi ça, c'est comme ça. Tu commences à voir la vérité en fait. La red pill, c'est juste de voir la vérité. C'est pas la vérité au niveau des femmes. La vérité au niveau du gouvernement. La vérité au niveau de la finance. Voilà. Il y a la red pill financière aussi. Et c'est ça même que les gens cachent en fait. C'est ça que les gens cachent. Il faut que tu comprennes que depuis que tu es né, depuis que tu es petit jusqu'à maintenant, là, tout ce que tu sais, c'est quelqu'un qui t'a appris. C'est quelqu'un qui t'a appris. Quand tu avais 3 ans, tu n'as jamais dit à tes parents que papa devait aller à l'école. Jamais tu as dit ça à tes parents. Ils t'ont mis dedans. Tu t'es réveillé un matin, tu étais dedans. Tu n'as jamais dit à ton papa que papa devait aller à l'école. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est là en fait. Il y a des idées déjà préconçues qui sont dans la tête des personnes. Il y a des idées déjà préconçues qui sont dans la tête des gens. Et beaucoup de personnes vivent par ça et se sont jamais demandé, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Pourquoi est-ce que je dois aller à l'école de 3 ans à 30 ans? Pourquoi? 27 ans pour pouvoir avoir un travail. En plus, je dois travailler pour quelqu'un. Et ce quelqu'un-là va me donner une partie de l'argent que c'est moi-même qui produis. Claire. Et puis je vais faire ça pour le reste de ma vie en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas les bonnes questions? Pendant qu'il y a des personnes, tu regardes, ils ont fait l'école jusqu'à peut-être en fait, ils ont fini le high school, ils ont fini le lycée, ils ont arrêté l'école, ils ont parti se concentrer parce que les parents avaient des entreprises, leurs parents leur ont appris comment ceci fonctionne, comment produire en fait. Parce que c'est que dans la production que tu peux gagner de l'argent. Il faut que tu produises quelque chose qui est valable, qui a de la valeur aux yeux du marché. Pour avoir de l'argent, en fait. Ça, c'est la red pill financière. Il faut que tu comprennes ça. Après, c'est pas mauvais d'avoir un job. Mais c'est l'utilisation du job. Est-ce que le travail, tu utilises ou tu utilises le travail? Claire. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent le travail. Il y a des personnes qui vont se dire, je vais travailler 2-3 ans, vu que le salaire est bon, je vais utiliser ce salaire-là pour réinvestir dans un business et je vais libérer mon travail. Il y a des personnes qui pensent comme ça. Ils sont intelligents financièrement. Voilà. Mais après, là, il y a des personnes qui sont dans leur job. On leur donne un gros salaire. Quand ils veulent s'en aller, le patron leur dit, bon, je t'augmente. Donc là, maintenant, il se dit que non. J'ai beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'argent, mais tu es toujours prisonnier de quelque chose en fait. Tu es prisonnier parce que ton temps ne t'appartient pas. Ton temps appartient à ton patron. Claire. Tu comprends un peu? Prison. Voilà. C'est une prison quelque part. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup. La prison a plusieurs murs. Il y a la prison avec des barreaux de fer, il y a la prison avec des barreaux d'or. Il y a des prisons dorées. C'est pas parce qu'on te donne plus d'argent que tu n'es pas en prison. Parce que la vraie liberté, c'est d'avoir le temps. Claire. La vraie liberté, c'est vraiment d'avoir le temps.
Thank you, my God. Voilà, à cause de ça, on te dit que les personnes riches valorisent leur temps, les personnes pauvres valorisent l'argent. C'est parce que tu penses que l'argent a plus de valeur que ton temps, que tu es prêt à sacrifier 4 ans de ton année, 4 ans de ta vie. 4 ans de ta vie. 4 ans de ta vie. Tu es prêt à sacrifier ça pour donner à quelqu'un, pour qu'il te donne un bout de papier. Après, ça ne veut pas dire que l'école, c'est pas bon. Mais il y a des personnes, pour ce qu'elles veulent faire, ils n'ont pas besoin de diplôme, en fait. Claire? Il y a des personnes, pour ce qu'elles veulent faire, elles n'ont pas besoin de diplôme. Il y a des personnes qui ont besoin de diplôme, comme les personnes, les médecins, ils ont besoin de diplôme. Les ingénieurs, ils ont besoin de diplôme. Mais il y a des personnes qui ne savent même pas pourquoi elles vont à l'école. Il faut que tu commences à te poser les bonnes questions. Voilà, il faut que tu commences à te poser les bonnes questions. Pour ceux qui vont à l'école, qui sont encore jeunes, les gars là à l'école, ayez au moins votre bac. Mais en même temps, posez-vous des questions. C'est pas parce que tu vas pas à l'école que tu ne t'éduques plus. C'est ce que Claire, vous faites comprendre. Claire. C'est ce que vous faites comprendre. Claire. L'éducation qu'on te donne à l'école, tu dois la compléter avec ton auto-éducation. C'est ce qui te rend plus fort. Après, si tu veux pas aller à l'école, il faut que tu sois deux fois plus éduqué. Parce que les autodidactes aussi, ils savent beaucoup de choses. Il y a tout ça là-dedans. Il y a tout ça là-dedans. Voilà. Il y a tout ça, il y a des personnes qui vous disent que aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un que je peux faire en fait des millions de dollars via internet, la personne te prend pour un fou. Parce que c'est quoi? Il est bloqué par son manque de connaissances. Il ne connaît pas où. Il est bloqué par son manque de connaissances. C'est pour ça que l'ignorance n'est pas bon. Parce que quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas croire en ça. Voilà, quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas croire en ça, tu ne peux pas faire ça. Pour ça, je vous dis, tes trucs. Tes croyances changent. Ce qui change tes actions et tes actions changent ta vie. C'est ça. Tes croyances changent. Tes actions changent et ta vie change. Claire. Donc, qu'est-ce que tu dois changer? Tes croyances. Comment changer tes croyances? T'informer. Comment changer tes croyances? Apprendre. Ne voyez jamais. Ne voyez jamais, en fait, comment on appelle ça? Acheter un livre. Acheter une formation. Comme une dépense. Jamais. C'est toujours un investissement. C'est toujours un investissement. Claire. C'est toujours un investissement. Il a dépensé près de 200 euros, c'est-à-dire combien en CFA là, en 2020 là, juste pour acheter des livres et des formations. Mais je regrette jamais. Parce que ces formations là m'ont servi en fait. C'est ça. Quand il dit investissez en vous, c'est ça. Les gars sont pas prêts à payer le prix fort pour pouvoir investir en eux, pour pouvoir se changer en fait. C'est ça la science. Est-ce que tu veux changer? Parce que tant que tu as continué à poser les actions que tu posais le mois passé là, c'est la même chose, les mêmes résultats que tu avais le mois passé que tu vas obtenir. Faut pas chercher à obtenir un autre truc. Parce que les gens sont là, je mérite tant. Tu ne mérites rien. Tu ne mérites que ce pour quoi tu travailles. Claire. Tu ne mérites que ce dans quoi tu investis. Claire. Moi, investis dans mes connaissances. Merci. Là-bas. Donc, je mérite ce qui revient de ça. Merci. J'investis dans mes connaissances. Je ne m'amuse pas avec ça. J'investis beaucoup dans mes connaissances. Donc, les bénéfices que je gagne de ça, je mérite. Je mérite ça. Il y a des choses que je ne peux pas obtenir encore. Je ne mérite pas encore ça. Il faut que je pose des actions qui vont me faire mériter ça. C'est ça la science. Claire. C'est ça la science. Voilà. L'opportunité dont je voulais vous parler, c'est un de mes gars en fait. C'est un de mes gars. Il a fait en fait 800 000 euros de bénéfices en e-commerce. Dropshipping. Voilà. Il a fait ça pour les personnes qui me demandaient comment est-ce que je peux faire un business. Comment est-ce que je peux avancer en fait. Voilà, pour me faire de l'argent, pour me faire tant. Bon, arrête de penser que tu es obligé d'avoir un travail pour faire de l'argent et te dis. Merci. Arrête de penser ça. Moi-même, je suis là. Je vous dis, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Répète ça, Banou. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Les seules personnes pour lesquelles j'ai travaillé, ce sont mes parents. Voilà. J'ai travaillé pour mes parents. Mais après ça, j'ai vite laissé ça passer. C'était pas moi, en fait. Vous comprenez un peu? C'était pas moi. Donc, je vous conseille, en fait, d'aller voir, en fait, mon gars, là, pour qu'il puisse vous aider. Voilà, c'est quelqu'un à qui je fais beaucoup confiance. Il est très sérieux dans ce qu'il fait. Voilà, il a fait près de 800 000 euros. Il a aidé plein de personnes,
plein de personnes en fait à atteindre un chiffre énorme en fait en e-commerce, pour ceux qui veulent vraiment faire du e-commerce, pour ceux vraiment qui veulent gagner de l'argent à partir de leur téléphone, de leur ordinateur, depuis la maison. Ils peuvent vraiment venir. Je laisse le lien de son Instagram en fait dans la bio. Je laisse aussi mon numéro, son numéro dans la bio pour que vous puissiez en fait nous contacter et tout. Voilà les gars, comprenez, vous pouvez faire de l'argent via internet. Vous pouvez faire de l'argent via internet. C'est pas impossible. Quand il y a eu la révolution industrielle, il y a des millions de personnes qui se sont enrichies grâce à la révolution industrielle. Maintenant, c'est la révolution informatique. Claire. Il y a des gens qui ont commencé à s'enrichir avec ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire de même. Vous pouvez avancer. Si vous avez le bon cercle, c'est de ça que vous parle à tout moment. Le bon cercle d'influence qui va vous faire avancer, en fait. C'est de ça que je parle. Donc, tout sera dans la bio. Là, il y a des trucs qui arrivent. Les preuves pour les personnes qui ont déjà été coachées par Khalil et tout, vous pouvez lui parler, vous pouvez voir, vous allez vraiment apprécier. Voilà, il y a foi les gars, on est ensemble. Voilà, on est là, on doit changer nos vies les gars. Yeah. On doit changer nos vies, il faut qu'on pose des actions comme je vous dis là. Si vous voulez vraiment changer vos vies, vous allez investir dans vos connaissances, vous allez investir dans vos vies. Voilà, on est ensemble les gars. Thank you my guy. Voilà, donc je fais cette petite vidéo pour le coaching de Khalil. Donc j'ai déjà pris plusieurs coachs pour pouvoir avoir des chiffres en e-commerce, mais ça aboutit à rien, soit plus de réponses, soit rien du tout, aucun résultat, les techniques marketing étaient nulles. J'ai pris le coaching de Khalil, donc il m'a accompagné de la recherche produit jusqu'au Facebook Ads et la création de sites. On a réussi à atteindre les 1K days en l'espace de 3 semaines. Donc je recommande fortement le coaching de Khalil pour les débutants. C'est vraiment super top. Un petit retour d'expérience sur le coaching de Khalil. Donc il faut savoir que j'ai commencé le drop été 2020. Je me suis formée, vraiment j'ai fait beaucoup de choses. J'ai testé au moins une trentaine de produits. Rien n'a vraiment fonctionné, voire pas du tout. Donc j'ai pris le coaching de Khalil il y a moins d'un mois. Le jour où j'ai pris son coaching, le soir on s'est contacté. Le temps de faire mon shop, 2-3 jours. Et le premier jour du lancement du shop, j'ai eu des résultats comme j'ai jamais eu auparavant. Et voilà, ça continue. Du coup, c'est vraiment que le début puisque ça fait même pas un mois que j'ai son coaching. Il est vraiment disponible, il est réactif, il explique bien. Il est dans les détails parce que... Du coup, je n'étais pas non plus une débutante en drop, donc ce qui m'apporte, c'est vraiment ce qui me manquait. Donc vraiment au top. Voilà.